Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons shalom, shalom, fidèles téléspectateurs de l'émission Temps de prière avec l'homme de la continuité, votre humble serviteur Pascal Alla, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. L'homme de Dieu répond au plus 1-331-262-49-03. Encore une fois, 331-262-49-03, ce sont les coordonnées téléphoniques par lesquelles vous pouvez nous joindre. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans vos maisons, toujours dans le cadre de ces moments de prière, ces moments d'édification du peuple de Dieu, ces moments de partage de la pensée du Seigneur. Je vous prie vraiment, vous qui êtes déjà connectés, de bien vouloir partager ce live, partagez-le, envoyez à quelqu'un qui vous est cher, envoyez sur Facebook, sur WhatsApp, dans tous les réseaux sociaux pour, n'est-ce pas, ne fût-ce que gagner une âme au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes vraiment dans la joie pour passer avec vous vraiment ces moments dans la présence du Très-Haut. Et la Bible dit, il est doux et agréable lorsque les frères et sœurs demeurent ensemble, et c'est là où l'Éternel Dieu répand sa bénédiction. Nous demeurons ensemble de loin, hein, tout comme de près, spirituellement nous sommes ensemble, peut-être plus près, mais physiquement, il y a des ceux-là qui nous suivent depuis l'Afrique, d'autres en Asie, en Océanie, en Amérique, en Europe, pourquoi pas. Partout d'où vous nous suivez, recevez nos chaleureuses salutations en Christ Jésus. Est-ce que tu peux déjà te recueillir dans la présence de Dieu pour lui dire merci, ne fût-ce que pour le souffle de vie, pour l'être, le mouvement et la respiration. Élevons nos voix, disons à Dieu merci. Merci pour l'être, merci pour le souffle de vie, merci pour la respiration. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Éternel Dieu très haut, nous te disons merci, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'adorons parce que tu es Dieu. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être exalté. Béni sois-tu, tendre Père, béni sois-tu le rocher des âges, béni sois-tu le ressuscité du troisième jour, béni sois-tu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sois loué, sois béni, sois magnifié, tendre Père, pour ce temps favorable. Merci pour tout, merci pour la santé, merci pour la guérison de ceux qui étaient malades, merci pour le travail que tu as donné à ceux qui étaient au chômage. Merci Seigneur notre Dieu pour la restauration des foyers qui étaient, n'est-ce pas, divisés. Merci pour le réconfort moral de ceux qui étaient abattus au-dedans d'eux ou au-dedans de leurs âmes. Seigneur, tous ensemble, nous te célébrons, nous te magnifions. Au nom de Jésus, nous disons merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, Nzamba pambola yom tozali branché scotché, Nzamba pambola mtoli kolanda biso longo, tika vraiment likolo ezala favorable na yo. Puis le lumina biso que celui qui se rapproche de Dieu se sanctifie davantage. Voilà pourquoi nous allons implorer la miséricorde de Dieu, demandant à Dieu de purifier nos cœurs, de purifier nos âmes, de purifier nos pensées. Prions au nom du Seigneur. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, nous voici une fois de plus devant ton trône, te demandant de purifier nos cœurs, de purifier nos âmes et nos esprits, purifie nos pensées, que tout ce qui puisse constituer obstacle à nos prières soit ôté. Sois le Dieu qui lave nos cœurs, tu laves nos pensées, que tu laves nos vêtements, au nom précieux, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous sommes toujours dans la présence du Seigneur. J'aimerais que chacun de nous désire la plénitude du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te conduise en toute vérité, qu'il inonde ton âme, qu'il remplisse ton esprit et que tu sois revêtu de sa gloire. Prions au nom du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta plénitude. Nous avons besoin de ta puissance. Sois les dieux qui inondent nos âmes. Sois les dieux qui inondent nos esprits. Sois les dieux qui nous rêvent de ta puissance ainsi que de ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tendre Père, nous t'adorons. Nous te célébrons et te magnifions. Nous t'exaltons, Shiloh d'Israël. Nous te bénissons, l'étoile brillante du matin. Sois loué, sois béni, sois magnifié, sois exalté. Le ressuscité du troisième jour et les rochers des âges.
Ensemble avec le bien-aimé, nous implorons la plénitude du Saint-Esprit. Esprit de Jésus, prends la direction de nos cœurs, de nos âmes, de nos pensées. Que tout ce qui puisse créer obstacle à nos prières présentes soit ôté. Mais toi, le Dieu qui sonde la profondeur de la pensée de l'Éternel, que tu puisses vraiment prendre le contrôle de chacune de nos âmes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié en disant gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Acclame le roi des rois, que tu sois en Europe, en Asie, en Amérique. J'aimerais que tu participes à travers le partage. Si tu n'as pas encore aimé ce live, tu peux cliquer sur j'aime. Si tu n'as pas encore eu à t'abonner sur cette chaîne YouTube Patrick Alala Ministry, tu peux également t'abonner et le bon Dieu te bénira pour ça. Il te bénira certainement. Rappelons le contact, vous pouvez nous appeler au plus 1-331-262-4903. Ce sont les coordonnées téléphoniques par lesquelles vous pouvez rentrer en contact direct avec nous. Nous sommes là, bien-aimés Seigneur, pour passer quelques instants avec vous. Et notre sous-thème de ce matin, de cette nuit, de ce soir, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez ces lives, parce que les temps et les heures diffèrent d'un continent à l'autre. Le sous-thème s'intitule « Et la lumière apparaîtra. » Et ta lumière apparaîtra. Ça, c'est notre « Et la lumière apparaîtra. » Après, point, 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 c'est-à-dire après ce moment de douleur, après ce moment des ténèbres, après ce moment de maladie, après ce moment des difficultés, après ce moment des blocages, après ce moment des deuils, après ce moment de pertes considérables, après ce moment, après ce moment, après ce moment, la lumière finira par apparaître. Et ça, tout enfant de Dieu digne de ses noms doit en être convaincu. Que Dieu soit loué et qu'il soit béni. La Bible dit, peu importe la longueur de la nuit, le jour finira par apparaître. La nuit, mes frères et sœurs, excusez-moi, la nuit, mes amis, est considérée comme étant un temps des ténèbres. N'oubliez pas que la nuit, on a du mal à voir. Même quand c'est un ami qui vient vers toi, quand il n'y a pas de lumière, il fait nuit, tu as du mal à le repérer. Et tu ne peux pas savoir s'il s'agit d'un ami ou d'un ennemi. C'est-à-dire que la vision est difficile. Tu détectes difficilement les amis, tu détectes difficilement les connaissances, tu détectes difficilement les ennemis aussi. Deuxièmement, pendant la nuit, c'est-à-dire pendant les ténèbres, parce que nous parlons de la lumière qui va apparaître, c'est-à-dire que nous sommes en train de vivre un moment ténébreux. Pendant qu'il fait noir, il y a beaucoup d'opérations qui s'effectuent au même moment, pendant les ténèbres. Très souvent, la nuit, comme c'est le temps des ténèbres, n'oubliez pas que Job nous en dit quelque chose là-dessus, dans le livre de Job, chapitre 3, verset 8. Job nous parle des activités qui se déroulent pendant ce moment des ténèbres, pendant la nuit. Très souvent, nous dormons, beaucoup d'entre nous, nous dormons vraiment en paix, tel que nous autres, n'en avons aucun problème contre qui que ce soit. On dort vraiment, bien aimé Seigneur, profondément. Mais pendant que nous dormions, il y a également des opérations qui se déroulent en ce net moment appelé la nuit. Parmi lesquelles, voilà que Job va nous citer, va nous mentionner quelques opérations qui se déroulent la nuit. Au verset 8, il dit quoi? Que la nuit soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Voyez-vous? Donc, l'homme de Dieu, que moi j'appelle aussi prophète Job, il voit
Et il reconnaît que pendant ces moments de ténèbres, il y a des gens qui sont en activité, des personnes capables d'exciter les Léviathans. Des gens capables, mes frères et sœurs, de changer le bonheur des gens en malheur. Ils prennent la réussite de quelqu'un et ils la transforment en échec. Ils prennent le succès de quelqu'un et ils le transforment en échec. Ils prennent, mes frères et sœurs, l'émergence de quelqu'un, ils les rabaissent au niveau du blocage, au niveau d'un cercle vicieux, et tu te retrouves en train de ne pas évoluer. Ils prennent le succès de quelqu'un et vous balancent, bien mes seigneurs, l'échec et l'humiliation, la ruine et la destruction. Ils prennent la fécondité de quelqu'un et vous communiquent la stérilité. Ils peuvent prendre votre bonne santé et en échange vous communiquent la maladie. Donc Job a compris que c'est pendant ce moment des ténèbres que toutes ces choses s'opèrent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la bonne nouvelle que je vous apporte ce matin, c'est que la Bible dit les ténèbres, le noir, l'obscurité, ainsi que ses activités ou ses actions ne demeureront point toujours. Molili. Mais salam abe, salam akanaba, na tango molili, ça dit na boutou. Ba échange, oui, salam akanaba boutou. Ba manipulation, oui, c'est le maranaka tchaba boutou. La Bible dit, écotique à la libellate, ça finira par s'arrêter parce que la lumière apparaîtra. Pendant la nuit, un certain apôtre, à l'époque on l'appelait toujours disciple Jésus, à la personne de Pierre, fut réclamé par qui? Par Satan. Donc, pendant les temps des ténèbres, il y a aussi des réclamations qui se font. C'était la nuit. Nuitamment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus-Christ nous parle de la parabole des livrées et du blé. Il dit que l'ennemi de la personne qui était en train de faire des grandes réalisations en termes d'agriculture, en termes d'agronomie, ce grand agriculteur, il avait planté son champ de blé. Un champ qui était vraiment très attirant et prometteur. La Bible dit, en une nuit, ça dit pendant les ténèbres, quelqu'un venait pour étouffer cette bonne croissance, cette bonne semence, afin de l'empêcher de croître en toute quiétude. Na yebite ndeko na place oza, ceux qui osent vivre pe ba makambo lokola o. C'est ainsi que certaines personnes, à la veille, elles étaient en bonne santé. Et le lendemain matin, tu te retrouves sérieusement malade alors. Si ce n'est pas toi, c'est peut-être l'enfant. Si ce n'est pas l'enfant, c'est peut-être madame ou monsieur. Peut-être ton frère intime, même un bon travailleur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des opérations qui ont eu à s'opérer au milieu de la nuit. Je ne suis pas en train de vous parler de toutes ces opérations nocturnes ou pendant les ténèbres pour vous effrayer. Mais c'est parce que j'ai une très bonne nouvelle à vous apporter, laquelle m'est également accordée, c'est que la Bible déclare, « Et la lumière apparaîtra. » J'étais à ta place, mais j'acclamais très fort le Seigneur, j'acclamais Jésus, lui qu'on appelle la lumière du monde, lui qui vient pour chasser les ténèbres, afin de nous sortir de toutes sortes d'influences nous imposées par le monde des ténèbres. Est-ce que tu peux encore une fois de plus acclamer Jésus, acclamer le roi des rois, acclamer l'agneau immolé des dieux, l'étoile brillante du matin. Il est merveilleux le rocher des âges, il est merveilleux le ressuscité du troisième jour, il est merveilleux l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien aimé, les ténèbres, c'est pas seulement le noir physique, mais on peut également parler des ténèbres, tout ce qui s'est fait en cachette. Quand quelqu'un a la manie de travailler en cachette au détriment des autres, quelqu'un qui a la manie de travailler, bien aimé Seigneur, en catimini pour détruire la vie des autres, cette personne-là opère aussi dans le noir, c'est-à-dire dans les ténèbres. Exemple,
Judas Iscariot fut également un agent du monde des ténèbres. Il le devint. C'est-à-dire qu'auparavant, il n'était pas ainsi, mais il a été changé ou transformé et il est devenu un agent du monde des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il commençait à opérer en catimini, en cachette. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est ainsi que Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est le Dieu très haut, qui voit les choses cachées, qui voit tout ce qui s'opère dans le noir, tout ce qu'on fait dans le noir physique, tout comme dans le noir, c'est-à-dire moral, psychologique, dans la cachette, il a dévoilé dans les livres des gens. Qu'est-ce qu'il dit? Parmi nous là, il y a quelqu'un qui est un démon. L'un d'entre nous est un démon. Pour que la lumière commence à jaillir dans ta vie, dans ta situation, il faut que tu puisses en arriver là. Aussi longtemps que tu demeureras, mon frère ou ma soeur, sans pour autant repérer les ténèbres qui t'environnent, également les agents qui opèrent dans les ténèbres, tu seras toujours vaincu et tu ne remporteras jamais la victoire. Voilà pourquoi je te prie ce matin, je te prie cette nuit, je te prie ce soir de bien vouloir dire à Dieu, Père éternel, aide-moi à repérer et les ténèbres qui m'enveloppent et les personnes qui agissent dans les ténèbres, de sorte que je ne sois plus vaincu. Alinga la balobi, muto batamio, alekio na mayele. C'est-à-dire quoi? La personne qui reste cachée, c'est-à-dire qui opère en cachette sans que tu l'aies détectée, elle sera toujours plus forte que toi. Et dans les Saintes Écritures, nous avons lu encore l'exemple de Jonas. Voilà que, et encore un exemple palpable de quelqu'un qui opère dans le noir, mais pas la nuit nécessairement. Il est en train d'opérer pendant la journée. La Bible dit, le navire ou le bateau flottait normalement. Il y avait des commerçants, il y avait des hommes d'affaires. Il y avait des gens qui venaient de partout. Il y avait également le machiniste, c'est-à-dire le chef, le conducteur du bateau ou du navire. Et la Bible dit, arrivé à un certain point ou un port, ils vont recevoir Jonas, qui était un prophète de Dieu, mais un prophète fugitif. Azoki Manaye, parce qu'il était rebelle à Dieu. Donc, il vivait sous une malédiction. Voilà que, quand il rentre dans le bateau, il va se cacher. Donc, vous comprenez que c'est l'attitude de quelqu'un qui opère en cachette, de quelqu'un qui est camouflé, de quelqu'un qui ne veut pas qu'on puisse le dévoiler ou bien le déguiser, plutôt le détecter. Quelqu'un qui se déguise. Il se fait prendre pour le vrai alors qu'il est faux. Quelqu'un qui se fait prendre pour un homme bien, une femme bien, alors qu'elle est en fait une mauvaise personne, meurtrière même, plus que meurtrière. Et c'est comme ça qu'opérait Jonas. La Bible dit, pendant qu'il était en dessous du bateau, allez, la tempête, les vagues et les flots ont commencé à agiter. Le chef du bateau, inquiet, troublé. Les commerçants, les passagers, fatigués, abattus. Il commença à chercher des solutions, ça et là. Si on pouvait jeter la marchandise, si on pouvait jeter un peu de pain, si on peut jeter un peu de carton de poisson salé, si on peut jeter un peu de conteneur ou bien des bidons de carburant pour alléger un peu le navire, de sorte qu'on arrive à destination. Donc il a tenté toute l'expérience possible. Ma soeur et mon frère, la Bible dit tout ce qui était hier, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Il y a des moments dans la vie où vous tentez tout, mais la solution ne vient toujours pas. C'est peut-être le foyer qui est tourmenté, qui est agité. C'est peut-être les affaires qui sont tourmentées, perturbées. C'est peut-être la santé. Tu vas même voir le médecin, même le médecin lui-même tâtonne. Certes, la médecine, c'est une science de tâtonnement. On parle toujours que le médecin a songé à ceci, le médecin a songé à cela. Mais pour votre cas, ça devient un cas exceptionnel et ça devient un cas de trop. On ne sait pas détecter la maladie, mais entre-temps, tu souffres. L'enfant pleure toute la nuit. Entre-temps, la maladie n'est pas détectable par même les appareils sophistiqués. Alors, comprenez qu'il y a les ténèbres qui sont en train d'agir. Ce n'est pas seulement le noir physique. C'est peut-être également Jonas qui est caché. Pas
Pendant tout ce temps, ils ont tenté à liquider les trucs, à jeter les trucs dans l'eau. Les vents ne faisaient que souffler et souffler et souffler. Pourquoi? Parce que les ténèbres étaient en train de faire quoi? De l'emporter et de dominer. La Bible dit, vers la fin, après que le machiniste ait fouillé, c'est alors qu'il va tomber sur Jonas, le nœud du problème. Tu veux que la lumière commence ses effets? Tu dois suivre les principes que voici. Premièrement, cherchez et vous trouverez. On cherche la lumière en tâtonnant. Il y a des dimensions et des dimensions dans la prière. Il y a des prières où tu pries, tu demandes. Il y a des prières où quand tu pries, tu cherches. Celui qui est en train de chercher, celui qui est à la quête de quelque chose, c'est-à-dire il a besoin d'avoir une réponse, une solution. Il veut découvrir quelque chose. C'est cette dimension de prière qu'il nous faut. C'est par là qu'il faut commencer avant que la lumière vienne t'éclairer. Alors Jésus-Christ qui est la lumière, il nous recommande de le chercher. Il y a des moments où tu dois chercher sa face, tu dois chercher à connaître, tu dois chercher à repérer le nœud du problème. Est-ce que quelqu'un peut déjà commencer par élever sa voix là où il est pour dire à Dieu, Seigneur, je veux commencer par chercher. Je veux aujourd'hui commencer par là, que je sois capable de chercher. Donne-moi la force de chercher dans la prière. Bien-aimé, on cherche Dieu en tâtonnant. On le cherche par des prières et on cherche à écouter sa voix. Quand tu auras cherché Dieu et qu'il t'aura donné la vraie cause de tes problèmes, la vraie cause de tes situations difficiles, de tes blocages, de ta maladie, de tes combats, tu pourras alors passer à la deuxième dimension de prière que je vais mentionner dans quelques instants. Mais pour le moment, j'aimerais d'abord que chacun de nous cherche d'abord. Cherche à connaître. Que cachent ces ténèbres dans ma vie? Qu'est-ce qui s'est fait dans l'autre côté? De l'autre côté, voudrais-je dire. Nignezo salimananga momosusu. Ba ennemi ba batami wapi, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et où sont-ils cachés? Qui a semé quoi dans mon champ de blé? Certes, pendant la journée, toi tu verras seulement que le champ est étouffé, il n'y a pas une bonne croissance, la semence est étouffée, mais cherche à connaître qu'est-ce qui étouffe la bonne semence. Qu'est-ce qui fait que vous soyez toujours malade, toujours dans des problèmes, toujours dans des difficultés, toujours dans des combats? Pourquoi ça? C'est des grandes questions qu'il faudra se poser. Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi nous devons chercher Dieu? Alors interroge Dieu sur toutes les questions qui restent encore une zone sombre à tes yeux. Dis Seigneur, je viens à toi. Parle-moi beaucoup plus sur les ténèbres qui m'enveloppent, qui enveloppent ma maison, mon travail, mon foyer, ma santé, ma vie, mes finances, ma vie professionnelle, tous les domaines de ma vie, la scolarité de mes enfants, la santé, les affaires de ma femme ou de mon mari. Tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur, parle-moi, dis-moi quelque chose au sujet de ces ténèbres, d'abord au sujet de ce noir qui t'enveloppe. Prions tous ensemble au nom du Seigneur. Éternel Dieu des armées, sous cette belle mélodie, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu pries. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, nous voici une fois de plus devant ton trône de gloire. La prière élevée de mon cœur, que tu sois le Dieu qui nous parle, que tu sois le Dieu qui nous révèle, que tu sois le Dieu qui nous cache des choses, que tu sois le Dieu qui nous interpelle. Béni sois-tu le roi des rois, béni sois-tu l'agneau immolé, béni sois-tu l'étoile brillante du matin pour ce temps merveilleux, pour ce moment précieux. Seigneur, merci de nous révéler des choses cachées. Merci de nous parler, merci de nous donner les directives. Papa, voilà que les ténèbres enveloppent nos maisons, enveloppent nos activités, enveloppent notre santé, enveloppent nos voies, enveloppent nos voyages, nos business, enveloppent, mon rédempteur, nos entreprises, enveloppent notre vie professionnelle, notre vie ministérielle, notre vie familiale, notre vie conjugale. Les ténèbres, ô Dieu d'Abraham, sont en train d'envelopper la santé de tes enfants. Seigneur, qu'est-ce qui se cache? Pourquoi ces ténèbres? Et ça vient d'où? Qui en est l'auteur? Père, révèle-nous
tout ce qui est caché dans ces ténèbres. Le Dieu Tout-Puissant, la Bible t'appelle le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Rien n'est caché à tes yeux. La Bible déclare, tu es le Dieu qui sonde la tache noire dans les eaux profondes. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, toujours dans le même élan, j'aimerais que tu pries encore. Que tu dises à Dieu, tendre Père, j'aimerais t'écouter. Non seulement que tu me dises les ténèbres d'où viennent-ils, mais que tu me révèles ce qui est en train de s'opérer dans ce noir. Que tu me révèles qui fait quoi par rapport à ma situation. Les ténèbres se manifestent par certains faits. Pour le machiniste dans le bateau de Jonas, c'était des pertes considérables, la tempête, les secousses, les mouvements, les secouements du bateau. Dans le cas de Paul et ses compagnons dans le navire pendant qu'ils allaient vers l'île de Chypre, c'est également la tempête et les vents. Je ne sais pas quel type de tempête ta maison est-elle en train de traverser, ton travail ou tes entreprises. Maintenant, dis à Dieu, révèle-moi qui en est l'auteur. Même les films, il y a des auteurs. Même des pièces de théâtre, il y a des auteurs. Même des textes, des livres, il y a des auteurs. Mais maintenant, qui est en train d'écrire cette histoire dans ta vie? Dieu connaît tout ce qui s'est fait dans les noirs. Il nous dit, lorsque vous priez, demandez, cherchez, frappez. Il dit, à celui qui demande, on lui donne. À celui qui cherche, il trouvera. Et celui qui frappe, on lui ouvrira. Pendant que nous cherchons, nous sommes en train de frapper à la bonne porte. C'est la porte du Dieu très haut qui connaît tout. Bien-aimé, Dieu te parlera par des songes, par des visions et par des précisions, par des événements, des circonstances. C'est pourquoi maintenant, je te prie de dire à Dieu, révèle-moi les acteurs potentiels dans ces ténèbres qui m'enveloppent. Qui en sont les commanditeurs et qui sont les acteurs de base. Que Dieu te parle avec précision, qu'il te révèle ce qu'ils sont en train de faire. Si tu es par exemple le propriétaire du champ de blé, dans Matthieu chapitre 13, verset 25, tu pouvais également dire à Dieu, révèle-moi ce que l'ennemi est venu faire dans mon champ de blé. Est-ce que tu peux prier maintenant? Je pense que je parle à des personnes qui comprennent les langages de l'esprit. C'est pourquoi maintenant, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu dises à Dieu, Père éternel, révèle-moi. Père éternel, parle-moi. Père éternel, ouvre-moi l'œil spirituel. Ouvre-moi l'entendement spirituel. Tu parles par des songes, tu parles par des visions, tu parles par toutes sortes de voies et moyens. Je te prie de me parler maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions au nom du Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'adorons. Shiloh d'Israël, sois élevé, sois magnifié, sois exalté, sois béni, le Dieu aux possibilités illimitées. Reçois l'honneur et la gloire émanant de la profondeur de nos cœurs. Nous te sommes infiniment reconnaissants, mais nous nous rapprochons dans la dimension de découvrir, que tu nous révèles, que tu nous ouvres les yeux spirituels, que tu fasses tomber de nos yeux les écailles, qu'on voie clair, papa, tout le monde, Nzambe na lola, tout découvrir, Seigneur, qui fait quoi dans ce bateau? Pourquoi cette tempête? Pourquoi ces problèmes? Pourquoi ces difficultés? Pourquoi ces combats? Pourquoi ces maladies? Pourquoi les troubles? Pourquoi le divorce? Pourquoi les pertes des femmes? Pourquoi les pertes de mari? Pourquoi les pertes d'enfants? Pourquoi les pertes des grossesses? Pourquoi les échecs dans les affaires? Pourquoi un cercle vicieux c'est notre Dieu dans la vie financière, matérielle, sociale? Dieu Tout-Puissant, nous t'invoquons, te demandant de nous parler avec précision. Parle à ta fille, parle à ton fils qui prie de tout cœur. Parle à tout un chacun qui est caché derrière son malheur.
qui est derrière cette tempête dans le navire où était Jonas? Qui est caché derrière cet étouffement de la bonne semence qui est le blé dans le champ du propriétaire de blé? Ô Père, révèle-nous maintenant qui est derrière la gangrène qui vient perturber l'équipe de Jésus dans le cas de Jonas. Dieu Tout-Puissant, révèle-nous dans nos mutualités, parmi nos amis connaissances, dans nos familles, dans nos églises. Sois le Dieu qui nous révèle des choses cachées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. La solution commence à venir petit à petit. Vous avez compris déjà la deuxième étape dont je vous avais parlé, j'avais promis de vous parler. Qui fait quoi? Quand les ténèbres sont dévoilées, c'est-à-dire quand tu cherches Dieu, celui qui est le détenteur de toute vérité, tu lui parles de tes situations, de ta situation ténébreuse, tu lui poses des questions concernant qui en sont les auteurs et tu lui poses la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait ou qu'est-ce qu'ils planifient de faire. Dieu ne tardera pas à se révéler à toi parce que c'est lui qui nous a donné le canevas. Il dit quoi? Cherchez-moi et je me laisserai trouver parce que je me laisse trouver auprès de quiconque me cherche. Il dit bien quiconque. On ne dit pas le pasteur, on ne dit pas l'archibishop, on ne dit pas les prophètes, on ne dit pas les docteurs, mais quiconque. Donc et moi, et toi, et vous, nous tous là, nous sommes dans quiconque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tel que nous sommes en train de le chercher là, il ne nous révèle. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne manque jamais de cahier, ne manque jamais de stylo, si tu n'as pas une bonne mémoire, pour écrire le langage de Dieu. Mais cependant, Dieu ne parle pas seulement dans les songes, il nous parle aussi par des faits et des circonstances. Pendant que tout le monde était agité avec quelqu'un qui était dans le calme, il faut faire attention à toute personne qui est dans la paix, qui est dans la joie alors que ça brûle chez toi. Toute personne qui fait semblant, il faut faire attention. La Bible dit, lorsque le machiniste il s'est posé plusieurs questions, il a tâtonné comme on le fait toujours. Le problème peut être spirituel, mais toi tu cherches des voies matérielles. Et après, une vive conviction va le pousser au bout ou au fond du bateau. Très souvent, l'ennemi se camoufle. Vous comprenez, c'est toujours l'agent, les actions du monde des ténèbres. C'est enfoui. Jonas est enfoui sous le bateau. C'est alors qu'il va voir quelqu'un pendant que tout le monde est agité. Qui est celui-là qui est caché comme ça? Vous vous souviendrez à l'époque de Jonas et puis de Josué aussi, face au peuple d'Haï. La personne qui a tiré le malheur sur Israël et qui leur communiquait une lourdeur, elle était dans le camp d'Israël, mais elle était une personne qui avait caché des choses interdites par Dieu. Très souvent, le monde des ténèbres se cache. Jonas travaillait dans le noir en cachette. Les frères de Joseph, on a parlé d'eux hier. Ils ont trahi leur frère en cachette. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? C'est pourquoi là où tu es, si tu es un fils de Dieu, cherche à travailler toujours avec une conscience pure, avec des pensées éclairées. Et tu seras toujours vainqueur dans toutes tes voies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es dans un foyer, cherche à mener une vie de transparence. Honore ta femme, marche dans la vérité, honore ton mari. Parents, sois transparent vis-à-vis des enfants. Enfants, soyez transparent vis-à-vis de vos parents. C'est alors que Dieu sera toujours avec vous. Mais si déjà dans ta conscience, tu commences à opérer dans trop de trucs, cache, bien-aimé Seigneur, comprends que c'est l'esprit de Jonas, l'esprit de Judas, l'esprit des traîtres, l'esprit d'Aman, l'esprit d'Akan. Et ça n'a pas toujours été des comportements nous conduisant à des bons résultats. Leur fin a toujours été tragique et médiocre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où tu es,
j'aimerais que tu pries maintenant. Que Dieu t'oriente comme le machiniste. Que tu ne tapes pas à côté. C'est la clé de la réponse et de la solution au problème. Quand tu peux détecter l'auteur de tes combats, ce qu'il fait, ce qu'il planifie à faire, tu l'as déjà vaincu. La guerre spirituelle, c'est une guerre aussi des fuites d'informations. C'est ce qui a fait que Hérode n'a pas pu vaincre Jésus, bien que celui-ci soit un enfant. C'est parce qu'il y avait le Dieu, le Père de Jésus, Dieu le Père, qui pouvait détecter l'intention cachée d'Hérode. Bien qu'il parlait des bonnes paroles, je vais également porter les cadeaux à l'enfant qui vient de naître. Mais Dieu sondait son cœur. Il savait que le monsieur là, il est mauvais. C'est un criminel. Le monsieur là, il a l'aspect de la piété. Mais c'est un méchant. C'est quelqu'un qui a le sang des gens en main. Et c'est quelqu'un qui planifie le chaos contre mon fils. Voyez-vous, comme Dieu connaissait l'intimité, le nez du problème, il connaissait qui était Hérode. Voilà que Hérode a multiplié des armes et des armes. Il a cherché des koulounas, des gangsters et des bandits. Il a cherché la voie, toutes sortes de voies. Il a armé des jeunes gens avec des machettes. Ils ont tué plus de 2000 bébés. Ah, les innocents. Pensant pouvoir éliminer Jésus, il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que Dieu connaissait et il avait révélé à Joseph l'intention machiavélique d'Hérode. C'est pourquoi maintenant nous allons prier. Même à l'époque de Jésus, Jésus fut trahi par Jonas, par Judas. Si Judas n'a pas réussi sa mission, c'est pourquoi? C'est parce que Jésus le connaissait déjà. Avant que la mission ne se réalise, Jésus lui dit, l'un d'entre nous est un démon. Et quand on lui pose la question de savoir qui est-ce, Jésus connaissait que non, c'est le monsieur avec qui on va mettre la main dans la pâte, ou bien dans la sauce, ou bien dans le vin. C'est cette personne-là qui est traître, voyez-vous. Voilà pourquoi Jésus est sorti vainqueur. Maintenant, nous allons demander à Dieu, Papa, si tu me parles par des songes, merci. Mais parle-moi également par des faits. Par le langage, par les comportements, par les actes, par l'agitation même de toute personne qui est derrière mon malheur. De toute personne qui ne veut pas me voir travailler en paix. De toute personne qui cherche des voies et moyens pour ruiner ma vie. De toute personne qui ne veut pas me voir être dans un foyer émergent. De toute personne qui ne veut pas voir mon travail être stable. De toute personne qui court me mettant des bâtons dans les roues. Révèle-moi Jonas. Révèle-moi Akan. Révèle-moi Delila. Révèle-moi Judas. Révèle-moi. Élève ta voix. Prions tous ensemble au nom du Seigneur. Alléluia. Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël, nous voici devant ton trône. Nous nous rapprochons de ta face. Nous nous abandonnons entre tes mains. La prière élevée de mon cœur, ô Dieu, que tu sois ce Dieu-là qui nous révèle des choses cachées. Que tu nous parles avec précision. Parle-moi et révèle-moi les Judas de mon entreprise, les Judas de notre église, les Judas de notre mission, les Judas de notre foyer, les Judas de nos activités, les Judas, le traître Seigneur, où s'est-il caché? Si tu ne me parles pas en songe, Yahweh, parlez-moi par des circonstances, parlez-moi par des événements, parlez-moi par des langages, parlez-moi par son attitude, Papa, révèle-moi. Dieu, le Dieu qui promet de te révéler à tous ceux qui te cherchent. Tu as parlé au mage au sujet d'Hérode. Tu as parlé à Pierre, à Joseph au sujet d'Hérode, Papa. Pourquoi pas à moi? Pourquoi pas parler à ton fils ou à ta fille? Pourquoi ne pas parler à un bien-aimé qui, en ce net moment, serait aussi dans le besoin? Eh Yahweh, exauce-nous. Eh Yahweh, écoute-nous. Eh Yahweh, entends-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame l'agneau immolé de Dieu. Acclame l'étoile brillante du matin et le rocher des âges. Il est merveilleux, le roi des rois. Il est merveilleux, l'agneau immolé des dieux. Bien-aimé, toujours dans la même attitude, dans le même élan.
toujours dans le même élan. Nous continuons. La Bible dit, lorsque Jonas qui était enfoui dans le bateau, lorsqu'on l'a détecté, il a perdu son pouvoir. Il s'est livré lui-même. Il a dit la vérité. Parce qu'il savait que tous les problèmes qu'il y a là, c'est moi. Alors il va leur donner la suite ou la piste des solutions. Il dit, pour que vous soyez en paix, il faut que vous me débarrassiez, vous vous débarrassiez de moi. Que vous me sortiez, n'est-ce pas, de cette pirogue. Sortez-moi de la pirogue. Et la Bible dit, aussitôt, notre bien-aimé va quitter. Il va quitter. Il dit, j'étais moi. Pour que votre navire soit en paix. C'est alors qu'on le prend, allez, directement, on le jette dans les eaux profondes et automatiquement, le chaos, la tempête et les agitations vont s'apaiser. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a certaines choses. Pour qu'elle s'arrête dans ta vie, il faut que Jonas soit détecté, non seulement détecté, mais que vous vous débarrassiez aussi de lui. Il y a des personnes, une fois qu'elles rentrent dans votre vie, c'est fini, la vie devient une vie de combat, une vie de difficulté. Il y a des personnes qui, une fois qu'elles rentrent dans votre entreprise, l'entreprise rentre en faillite. Il y a des personnes, une fois que vous rentrez en contact avec elles, elles vous affectent et vous communiquent le noir et le chaos. C'est pourquoi dans la vie, mes amis, il faut apprendre à implorer la grâce du Seigneur, à invoquer les dieux très hauts, à invoquer l'étoile brillante du matin. Est-ce que tu peux élever ta voix? Commencer à prier, commencer à dire à Dieu, tendre Père, mon âme a besoin de toi, mon corps et mon esprit ont besoin de toi. Élevons nos voix. Prions au nom du Seigneur, alléluia. Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, nous voici devant ton trône de gloire. Nous t'invoquons Shiloh d'Israël. Nous t'invoquons l'étoile brillante du matin. Nous t'invoquons le rocher des âges. Nous t'invoquons l'agneau immolé de Dieu. Nous t'invoquons l'étoile brillante du matin. Aide-nous à nous débarrasser de Jonas. Que le Jonas qui nous attire ce fléau, ce chaos, cette instabilité, ce trouble, cette agitation dans tous les domaines de la vie, qu'il puisse libérer, libère totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Crois maintenant que le Jonas que Dieu te révèle est en train de se débarrasser de ta vie. Qui libère ta vie commerciale, qui libère ta vie professionnelle, qui libère ta vie sanitaire, qui libère ton foyer, qui libère tes activités, qui libère ta santé, ta progéniture, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, vous qui faites cette prière de tout cœur. Tikanzamba bimisa, Jonas nyonso oyo, azalaki caché na katkat na vina yo, na katkat na ndaku na yo, na katkat ya libota na yo. Que tout Jonas qui était caché à Bandako Bima. Et Misala Molili est arrêté. Et lorsque la lumière apparaît, c'est-à-dire c'est la révélation. Déjà quand on est tombé sur Jonas, ça veut dire quoi? La lumière est venue. La lumière apporte le calme. La lumière apporte la solution. Or dans la Bible, il n'y a pas une autre lumière que celle qu'a croisé l'apôtre Paul à l'époque, on l'appelait Saoul. La lumière du monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi je te prie maintenant d'invoquer Jésus. Dis Jésus, toi qui connais les choses, les intentions des Judas, des dupliques, des personnes à double face, les hypocrites, des personnes versatiles. Seigneur, aide-nous encore, ouvre-nous les oreilles et éclaire nos pensées, éclaire nos yeux, éclaire-nous qu'on détecte Jonas. Que Jonas ne reste jamais caché, que Judas ne reste jamais caché. Comme tu as pu exposer Caïn en le châtiant,
que le Caïn de ma vie soit aussi châtié toute sa vie. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Oh Père éternel, Caïn qui pensait qu'ils étaient qu'à deux dans le champ et le secret allait rester comme ça sans trace. Il pouvait tuer son frère sans pour autant voir des répercussions. Papa, tu te révélais à lui pour lui faire savoir que je sonde les cœurs et les reins et je connais toutes tes mauvaises actions. Je sais que c'est toi le criminel. Père, qu'aucun criminel ne reste caché. Qu'aucun hypocrite, qu'aucun traître ne reste caché. Père éternel, localise sa santé, localise ses voies, localise sa famille, localise ses activités. Que tout Caïn, tueur d'Abel, soit également exposé par les mauvais sorts. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ba misusu ba kayé misusu ndeko nanga chatimé rozala baniko polanda mbundambu. Parce qu'il ne fait que cautionner le mal pour les autres, il ne fait que méditer le mal aux autres. Je déclare que tel soit le cas pour ton Caïn. Bien-aimé en Christ, un autre exemple de personne qui vivait sous l'influence des ténèbres, mais qui était accro à Dieu par des prières, qui cherchait Dieu par des prières, il s'agit de Daniel à son époque. Daniel qui travaillait en toute sérénité dans le gouvernorat. Et la Bible dit, on lui a donné un poste supérieur. Il avait un poste vraiment avancé parmi les chefs dans le gouvernorat à Babylone, bien qu'il était étranger. La Bible déclare, les ennemis se sont levés. Un groupe de gens s'est levé et c'est des gens comme ceux dont nous avons fait mention au début de notre enseignement, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans le noir. Le noir là, c'est pas seulement l'obscurité ou les ténèbres physiques, je vous ai dit, c'est l'esprit dans lequel les gens travaillent, ceux qui travaillent en cachette pour détruire les autres. Ils ont comploté contre Daniel. La Bible dit, ils ont cherché partout. Ils n'ont pas pu trouver. Ils ont dit, on va maintenant fabriquer, créer un montage. Même dans la loi de son Dieu. Hein? Bah, montage, on va remonter la rabiso à Misuso. Bah, l'ouka, y'a l'ouka, place, mon robot, y'a tout cossé, à terre, cossé, tout intimidé, y'a. Bien, Seigneur. Ils ont cherché, ils ont cherché, ils ont cherché. Ah, ils ont dit, comme lui craint Dieu, on va l'avoir maintenant dans la loi de son Dieu. Mettons-le en contradiction avec la société. Mettons-le en contradiction avec la loi de notre pays. Quelle loi? Vont brandir une loi qui n'a jamais existé. Bon, désormais, tout le monde, au son de la trompette, doit se prosterner devant la statuette du roi. Sinon, la personne doit mourir. Papa, maman, nazolo banayo, bando kinayo, ba ennemi no baza ba musikate. Ba musikate. Ba louki na ba voyance, mouto yazane loyal, mouto yazane ya solo, mouto yazane ya solo, ba robamba ya robamba. Ne ma solo za sigote. On doit tout faire pour l'éliminer. On doit tout faire pour le tuer. On doit tout faire pour gâcher sa vie. Bien-aimé, la Bible dit tout ce qui était hier, c'est ce qui est aujourd'hui. Il n'y a rien de neuf. Il n'y a rien de nouveau. Allez, directement, il monte la loi. Heureusement, Daniel était déjà informé, il connaissait leur intention. Mais écoutez, mes amis, qu'il pleuve, qu'il neige, accroche-toi à Dieu et reste dans la vérité. Les ténèbres ne l'emporteront jamais sous la lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui marches dans la lumière, marche la tête haute. Qu'il pleuve, qu'il neige. Malgré, ils ont fait des schémas, ils ont dit, là on l'aura ici, là, ici là, on l'aura ici, là, ici là, on l'aura ici, là. Mais mes seigneurs, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Allez, directement, il s'est levé. Prière, 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 prière. Le matin, maintiens la prière. À midi, il était dans la prière. Le soir, il était dans la prière. C'est-à-dire que trois fois matin, midi, soir,
fait naître à la direction d'Israël, il n'a pas renié son Dieu. Effectivement, ils ont monté leur loi. Ils ont parlé au roi. Les rois ne pouvaient que se soumettre à la loi. Il fallait maintenant que la lumière apparaisse. Bien-aimé, je viens t'annoncer que ta lumière apparaîtra. La lumière, elle t'apparaîtra, mon frère. Allez directement. Frappe la trompette. La trompette va sonner. Curieusement, Daniel ne fléchit pas les genoux. Parce qu'il savait qu'il n'allait pas fléchir. Allez, il tombe dans l'infraction des hommes et non celle des dieux. C'est comme l'infraction de la femme de Potiphar dont on a parlé hier. L'infraction préfabriquée. Pourvu qu'ils accomplissent leur désir de tuer les gens. Mais dans leur conscience, ils savent que le monsieur là, il est vrai. Comme ceux qui sont en train de monter et complot contre vos humbles serviteurs. Bien-aimé, la Bible dit directement, on le prend. Et le roi savait dans sa conscience que j'ai un élément, un homme loyal à la personne de Daniel. C'est alors que la sentence va tomber, condamnons-le. On va creuser une fosse. Là, ce sont les ennemis. Ils mettent les lions, ils mettent des lions, ils pourront les garder affamés pendant plusieurs jours. De sorte que quand on jettera Daniel, qu'il ne puisse même pas mettre une seconde, afin que les lions puissent les dévorer. Je prophétise et je déclare que tous ceux qui ont monté, qui ont creusé des fosses pour nous enterrer, Dieu, le Dieu de la Bible n'a point changé. Ils vont rentrer dedans. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils rentrent, qu'ils soient couverts de honte. Tous ceux qui ont creusé des fosses pour te détruire, détruire ta vie, ta scolarité, la vie de tes enfants, ta destinée, ta santé, ton ministère, ils tomberont dedans. Et quand tu sortiras sain et sauf, qu'ils soient couverts de honte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, le roi va appeler Daniel. Daniel, serviteur de Dieu, incline-toi seulement et que tu restes vivant. Il dit, roi, tel que tu me vois là, je ne suis pas un aventurier. Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un impudique, un menteur. Je ne suis pas un escroc non plus. Je suis dans la vérité. Même si vous là, vous me donnez l'étiquette de menteur, Dieu sait que je ne suis pas menteur. Vous-même aussi dans votre conscience, là, vous savez. Je ne suis pas menteur. Allez directement. On le prend. On les jette dans la citerne. Il dit, le Dieu devant qui je n'ai pas péché. Et je n'ai pas non plus péché contre toi, le roi. Ce Dieu-là, il me délivrera, il me sortira sain et sauf. C'est dans ces termes que David et Daniel sera jeté dans la fosse. On le jette dedans. Le premier, on le regarde. Oh! Et tous les lions qui étaient dedans vont croiser celui qu'on appelle les lions de la tribu de Judas. C'est les lions de la tribu de Judas qui apparaît. Il parle aux autres lions. Oh, ça c'est un intouchable. Celui-là, c'est injuste, c'est un saint. Bien-aimé, quand la lumière apparaît, même en la présence des fauves, paralyse la gueule de lion. Le Dieu de David. Il neutralise l'aiguillon de la mort. Il paralyse tous ceux qui sont faux. Ma prière que ce Dieu de Daniel s'élève dans la vie de quiconque également dans les mêmes situations.
le Dieu des étrangers, le Dieu des justes, le Dieu des prophètes, le Dieu de la Bible, qu'il s'élève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève le Dieu de Daniel. Tu dis, reproduis textuellement dans ma vie ce que tu as reproduit avec Daniel. Tous ceux qui me jettent dans cette fosse pour que j'y meure, qu'ils soient surpris de me voir sortir vainqueur et vivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève ta voix, commence à prier. Éternel, le Dieu des armées, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et d'Israël, la prière élevée de mon cœur. Ô Dieu d'Abraham, que tu t'élèves, que tu te manifestes dans ma vie comme celle de Daniel. Père éternel, tous ceux qu'ils ont creusé comme fosse, papa, qu'ils ne puissent pas m'engloutir. Ils ont creusé la ruine, ils ont creusé la désolation, la tuerie, la mort, papa, que cette mort préfabriquée ne m'atteigne pas. Et je suis rassuré qu'elle ne m'atteindra jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu fermes la gueule de lion et je sors la tête haute comme Daniel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare, celui qui creusera une fosse contre toi, il tombera lui-même et il se fera mordre par le serpent s'il écroule la muraille de ta protection. Maintenant, tu vas dire à Dieu, ce qui arriva à l'époque de Daniel arrive à mon époque. L'abbé dit, très tôt le matin, le roi va venir pour jeter un clin d'œil pour voir peut-être les os de Daniel, ou bien les vêtements, ou bien les cheveux. Il vient timidement, Daniel! Il croyait qu'il allait entendre un silence radio. J'annonce à quelqu'un, là ils attendront longtemps le silence, mais Dieu qui fait parler les aveugles, les muets plutôt, il va faire retentir le son de ta voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise, je parlerai davantage. Je proclamerai davantage. Père est notre Dieu de la force. Tu nous sortiras vainqueur et nous proclamerons davantage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamerons davantage. Nous témoignerons davantage. Nous prophétiserons davantage. La Bible dit, Daniel est sorti. Saint et sauf, mon frère. Ma prière est que tu sortes saint et sauf. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse et qu'il te bénisse richement. Quand il est sorti, il dit, ô roi, vie éternellement, roi, Oumela. Donc, crie à Oumela Bana depuis Daniel. Hein? Crie à Kala depuis Daniel. Allez directement, on le sort. Et le roi dit, on a compris maintenant que Daniel était dans le vrai. Allez, où sont les accusateurs de Daniel? Où sont ceux qui avaient creusé la fosse? Bien-aimés, quand la lumière apparaît, ceux qui creusent la fosse finissent par tomber dedans. Je prophétise que tous ceux qui te rongent, tous les traîtres, tous les mouchards, tous ceux qui te présentent la gentillesse mais qui ont des couteaux, une fois qu'ils t'embrassent comme ça, mais dans ton dos là, ils te poignardent. Que le Dieu Tout-Puissant les expose et qu'il leur rende au centuple ceux qui sont en train de projeter contre toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il dit, c'est lui qui brisera la muraille de ta protection. Il se fera mordre par le serpent. Je te garantis, personne ne peut combattre un enfant de Dieu, un fils de Dieu et l'œuvre de Dieu rester sans dégâts. Que le trouble, le chaos et la frappe de Dieu soient le partage de tous ceux qui en veulent à ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que ceux qui avaient monté la fosse au lion se sont fait dévorer par le lion qu'ils avaient bien aménagé afin qu'ils puissent ronger, détruire la vie de Daniel. Ils ont été dévorés par leur propre lion. Ce fut le cas pour Abednego, Meshach et Shadrach dans la fournaise ardente. Ceux qui avaient planifié monter cette fournaise, eux-mêmes sont rentrés dedans, tandis que les personnes qui étaient ciblées à être jetées dedans à l'intérieur sont sorties sains et saufs. C'est par là que nous mettons un point final à notre service de cette nuit. En te disant, malgré l'agitation de ceux qui creusent la fosse au lion, malgré l'agitation de ceux qui planifient la fournaise ardente, malgré, bien mes seigneurs, la duplicité et la vie de cache-cache de Judas,
tu sortiras vainqueur. Jésus-Christ l'a emporté. Abednego, Meshach et Shadrach sont sortis vainqueurs. Daniel est sorti vainqueur. Pourquoi pas toi? Et pourquoi pas moi? Ensemble, nous disons trois fois. Amen. 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 Encore une fois, amen. 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 Acclamons le roi des rois. Acclamons l'agneau de Dieu. Acclamons l'étoile brillante du matin. Le rejeton de David. Allez, les vainqueurs sortent, vainqueurs témoignent, glorifient, exaltent, célèbrent le rocher des âges, exaltent les ressuscités du troisième jour. Il est digne des louanges, il est digne des gloires, il est merveilleux, le Dieu aux possibilités limitées. Tous ceux qui planifient de te tuer, si ce n'est pas le temps de Dieu, ils ne le pourront pas. Tous ceux qui planifient de te gâcher la vie, si ce n'est pas dans le plan de Dieu, ils ne pourront point. Que Dieu frappe de confusion et de troubles tous ceux qui piègent les enfants de Dieu, qu'ils soient exposés au nom du Seigneur Jésus. Encore une fois, nous disons trois fois, amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse richement. On se retrouve demain, si Jésus ne revenait pas, à la même heure et à la même adresse. Que Dieu vous bénisse, bye bye.